Coucou tout le monde, bienvenue pour ces énergies de ce mercredi. Ce mercredi 18, je ne me trompe pas. Et aujourd'hui, nous avons le 7 de bâton. Alors, ce 7 de bâton, qu'est-ce qu'il nous dit? On remet en question un peu nos décisions. Les décisions de nos proches. Cette carte nous dit qu'il faut garder son calme. Hein. Il faut tenir bon, il faut s'accrocher. On vit actuellement une situation qui n'est pas facile. On voit cette dame qui, avec sa pancarte qui proteste, et on voit les forces de l'ordre. Je trouve que ce jeu, vraiment, ce tarot, Everyday Tarot, est très approprié à ce que nous vivons en ce moment, actuellement. Et là, on nous dit qu'il faut garder son calme, qu'il faut s'accrocher, qu'il faut surmonter, c'est cette période difficile où on nous impose le confinement en fin de compte. Et que même si on se sent quelquefois un peu durement atteint, parce qu'on peut plus, on est un peu bloqué dans nos gestes, il faut se protéger. Et c'est vrai que même si là on voit les forces de l'ordre qui empêchent cette personne, en fin de compte, cette carte représente vraiment le confinement qui nous est imposé, où les forces de l'ordre nous demandent de rester chez nous, de ne pas se mettre en danger. Et bien, il faut respecter ça, il faut rester dans notre... il faut éviter de remettre en question les décisions qui sont prises à l'heure actuelle. Il faut en supporter les conséquences pour le bien de tout le monde. Donc, même si on nous demande certaines choses et qu'on se sent un peu agressé et contraint et forcé de faire certaines choses, il faut penser que c'est pour notre bien, c'est pour qu'on soit protégé, qu'on reste en forme. Et que si ces forces restent inflexibles, il faut bien comprendre que c'est pour notre bien. Donc il faut surmonter cette journée aujourd'hui qui des fois peut-être vous met un peu en colère pour certaines choses ou de certaines choses que vous voyez qui se passent à l'extérieur vous met en colère. Il faut... vous, de votre côté, restez ferme sur votre façon de faire, restez chez vous et défendre votre bien-être de votre famille. Voilà. Écoutez, je vous fais des gros bisous à tous. Je vous dis bonne journée. Occupez-vous bien à la maison, il y a toujours des choses à faire. Et puis, je vous dis à demain. Bye bye.